Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, ce n'était pas prévu. Du coup, je me suis dit pourquoi pas les partager. Voilà, ça change un peu, ça motive aussi. Donc, voilà. Là, j'étais justement en train d'arranger mes vêtements d'été. Donc, il fait chaud, c'est déjà l'été. Donc, j'étais en train d'arranger, enlever les vêtements de l'hiver. Je l'ai mis dans les casiers. Là, vous voyez les petits bacs de chez Action. C'est là où je garde mes vêtements de saison. Si c'est l'été, je mets les vêtements de l'hiver là-bas en intérieur, et si c'est hiver, je mets le vêtement d'été là-bas. C'est comme ça que je fais parce que j'ai pas vraiment assez d'espace dans ma chambre pour tout exposer. Donc voilà. Et voilà, là je suis en train de me débarrasser des vêtements de l'hiver, je l'ai déjà classé. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas partager avec vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ma motivation, dites-moi dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à me laisser de pouces bleus. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo et que ça vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de la notification. Donc, c'est parti. Je ne vais pas vraiment parler. Je vais justement vous laisser avec la musique et vous laisser voir comment je suis en train d'arranger. C'est très important d'arranger ses affaires pendant les saisons. Si c'est l'été, il faut arranger tout ce que tu auras besoin pendant la saison là. C'est très important de mettre tout en place. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand c'est l'été, je classe tout ce qui est d'été. Quand c'est l'hiver, je classe tout ce qui est hiver. Donc, comme ça, je ne me casse pas la tête avoir tout mélangé hiver, été. Donc, voilà. Là, j'avais déjà enlevé tout ce qui est hiver. Je gardais. Et du coup, je suis en train d'arranger tout ce qui est été. Donc, voilà. C'est parti pour 3 mois de détente ou 2 mois et demi. Ça dure jamais l'été. Donc, voilà. Et voilà, je vous laisse regarder. Et voilà, c'est parti. Thank you.
Alors là, c'est le péril que j'ai fini déjà de classer mes vêtements. Maintenant, je vais trier le péril que j'ai beaucoup porté. Et puis, je dois laver, je dois nettoyer, je dois faire le soin, les shampoings. Donc voilà, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de perruques que je porte pas tout le temps. Il y a des perruques que je porte, voilà, chaque jour peut-être. Et c'est le moment de laver, le mettre tout en ordre. Et voilà, c'est parti pour l'été. Alors, le bel moment, c'est très important de protéger vraiment vos perruques, de laisser respirer vos perruques. Il y a beaucoup de personnes qui gardent le perruque dans de petits sachets très très étouffés. Quand tu vas ouvrir la perruque, la perruque, ça te frappe au nœud. C'est très important de mettre dans de petits sacs comme ça qui fait rentrer l'air. Moi, je le prends chez Lidl, hein, ça coûte pas cher. Je prends chez Lidl. Des fois, je l'achète dans d'autres magasins, ça coûte pas cher. Ça fait rentrer l'air et vos perruques respirent très très bien. Donc là, comme vous voyez, c'est toute le péril que je porte. Mais quand je le fais comme ça garde pas l'odeur à mouton qui ça reste pas. Donc ça respire. Il y a deux fois, je laisse ouvert ce bassin-là. Il y a deux fois, je ferme. Donc c'est juste pour laisser un peu l'air. Donc c'est un peu ça. Et voilà, là, je te montre de trier, 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 trier. Péric, oh et moi là qui passe et là tama qui le colle les cambou et c'est le temps vraiment de prendre soin de ça. Donc c'est un peu ça. Alors là, j'étais en train justement de classer mes boucles d'oreilles que j'ai commandées chez Shea. Et j'avais fait une vidéo, je vous avais présenté mes boucles d'oreilles et voilà, c'est le moment. Je dois tout l'installer pour que ça me facilite. Dès que j'aurai besoin, je prends directement, c'est là que je pose mes boucles d'oreilles. Je suis en train d'arranger. Et voilà, j'ai fini. Donc en haut là-bas, j'ai mis des robes que je porte pas tout le temps. Et deuxième étage, c'est mes robes que je porte beaucoup. Troisième étage, c'est mes hauts que je porte pendant l'été. Quatrième, j'ai mis mes jupes avec deux sacs. Et l'autre étage, j'ai mis mes vêtements de la maison, de cinglés, de petits trucs que je porte comme ça. Et le deuxième étage, là, j'ai classé mes petits sacs d'été. J'adore le petit sac. Donc voilà. Et là, à côté, j'ai arrangé mes fantaisies, je suis rien sans le bijou. Je vous dis tout le temps, sans les fantaisies, je suis rien. Donc, c'est un peu ça. À côté, j'ai classé mes chemises d'été. Et en haut là-bas, j'ai mis mes talons. Voilà. Et en bas de mes chemises, j'ai mis mes pantalons que je porte plus pendant l'été. Et là, j'ai classé quelques talons et quelques baskets. Donc, voilà. Je crois que je vous laisse par là. J'espère que vous allez aimer. Et ça va vraiment vous motiver d'arranger vos affaires pendant les saisons. Donc, des gros bisous. Donc, là, je vous montre, je mets mes petits foulards. J'adore le foulard pendant l'été. Donc, voilà, c'est un tout petit peu ça. À côté, là, j'ai classé mes petites chaussures. J'aime bien classer comme ça. À côté, donc, c'est un peu ça. Et à côté, là-bas, j'ai mis mes petits chapeaux, mes petites casquettes, voilà. Pour l'été, hein, pour l'été. Donc, voilà, les belles mamans. Je vous fais plein de bisous. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Bye bye.